quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h11, il faut que je note l'heure. Il y a match qui va popper à un moment ou à un autre. Donc du coup, je vais ouvrir les liens pendant qu'il pop. 22h11, c'est fabuleux. On enchaîne et tout. On n'a pas le temps, nous. On n'a pas le temps. Attends, par contre, Mets-moi ça, là. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Parce que, hein, voilà. Merci, hein. Merci. Du coup, bienvenue dans votre... c'est la combien? C'est la partie 19. Ah putain, de la rééduque consacrée... consacrée à l'Arc-Pierre, si je peux dire ça comme ça. On va faire la suite, hein. Là, normalement, on vient de parler de la réponse d'Ender. Il s'est passé plusieurs trucs et tout. Il y a 2-3 petits sujets annexes qu'il faut qu'on aborde et tout. Il y a quelques taquets qui ont été envoyés et tout. Donc du coup, on va voir ça et tout. On va rattraper un peu la semaine et je mets 8 ans parce que j'ai 20 000 liens à ouvrir. Préparez-vous pour une capsule qui dure je sais pas combien de temps une nouvelle fois. Ah là là, un jour je saurais faire des courtes capsules, tu vois. Je suis sûr en fait, je splitterai ça en plusieurs petits sujets, je ferai 15 fois plus de vues, tu vois. Mais j'ai la flemme, t'imagines pas à quel point. Je mets tout dans un seul bloc, vas-y, let's go. Ça dure 3 heures, ouais, je sais, ouais. Qu'est-ce que je réalise ? Ah, attendez, tac, tac, tac. Tu vois, en plus, ce qui me rassure pas, c'est que quand j'ouvre la liste, il y a un post de Raccoon Leaks. Généralement, les posts de Raccoon Leaks, je compile dessus, mais genre, ça race. Donc du coup, oh putain, ouais, on a un strike et tout dans l'équation. Eh, franchement, on a un beau casting, hein, pour comment ça s'appelle, pour cette partie 19, hein. C'est des tarés. Previously, dans le Chaiselistan, 300 patchouins se sont fait doc, c'est tout. Tout le monde se renvoie la balle, personne n'assume, tout le monde se balance les uns les autres. Et bonsoir, mère, comment ça va? Du coup, on est parti. Il y a toujours pas match, c'est ça? Ah, mais je suis toujours pas dans le... Ah, je suis pas dans le Discord, c'est pour ça qu'il y a pas match et qu'il pouvait pas popper. C'est incroyable. Ouais, forcément. Bah ouais, bonsoir. Bah non, mais moi en plus j'attends que tu pop et tout, si tu veux, tu sais, donc on passe le bon moment. Bonsoir match, comment vas-tu? Bien, et toi? Ah bah écoute, c'était compliqué, hein, le live d'Ender, hein. Ouais, c'était long. Ah ouais, c'était très très long. C'était très très long. Mais c'était instructif. Ah, mais j'ai lagué, mais de 25 secondes à vue de nez. Ah, mais je pense qu'ils laguent tous de 25 secondes. Si vous pouvez faire un refresh, ce serait sympathique. Bon, pas toute la semaine, mais on a 2-3 jours à rattraper, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va commencer par la classique, hein, bien évidemment. Maître Sergueva a répondu, hein. Donc du coup, Maître Sergueva, via Imafox, crevette, ascendant fouine, d'accord. Bonjour, suite à des propos calomnieux ainsi qu'une vague de harcèlement, Maître Anna Sergueva fait une dépression nerveuse. Oh la pauvre! Elle fait une dépression nerveuse! Qu'est-ce que c'est que ce... Ah bah mince alors! On espère qu'elle va s'en remettre, hein, bichette! Donc du coup, fait une dépression nerveuse, voilà ce que c'est d'accuser une innocente, oui, la fameuse innocente Anna Sergueva, on le connaît. Elle est épuisée, il faut qu'elle se repose. Dans tous les cas, nous, ses amis, ne lui laissons pas le choix. Ils ont tous 19 ans ou ça se passe comment, là? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Les gars, ils doxent en bande 300 personnes, on les capte, et... Oh non, je me suis foulé la cheville. Ah bon? Bah alors? La pauvre, elle est en dépression nerveuse. C'est incroyable, hein? Est-ce qu'on pourrait voir la fameuse vague de harcèlement? Parce qu'aux dernières nouvelles, en fait, il y a rien, en fait, sous ces postes à elle. Il y a rien sous ces postes à elle. Vous pouvez me prouver le harcèlement? Ils sont où, ces trucs-là? Ils sont où, ces trucs sous Anya, là? Elle empêche toute personne de commenter en dessous. Il est où, le harcèlement envers Anna Sergueva? Montrez-le-nous, là, qu'on rigole un peu, là. Sans déconner. Elle est épuisée, il faut qu'on se repose. Et nous, ses amis, oh, le pouvoir de l'amitié, putain. Tac. Chini qui disait... Elle disait quoi déjà? Qu'elle s'en voulait d'avoir dû sortir cette carte? Alors sortir deux fois n'était pas si problématique que ça, hein? Let's go, continuons. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah tiens, alors...
Il y a un moment, il y avait quelqu'un qui était en discussion avec, Ender, et Ender était en train de dire « Non, j'ai rien fait, non, j'ai rien fait, non, j'ai rien fait », donc du coup, je lui dis « Bah, tu sais quoi, on voit lui son screen !» Donc du coup, de la part de Chaisel. Donc du coup, le 18 juillet 2024 à 16h29, un Chan déjà, Madge, Nikolai et Cristero et Gwenardel, tu es un bon. Oui, c'est tous des personnes qui m'ennuient. Et j'ai... Oh, excuse-moi, je t'avais pas vu. Oui, c'est tous des personnes qui m'ennuient. Et j'ai posé la question si c'est public pour savoir si c'est obtenu légalement. Et c'était en VOC avec Iné. Voilà. Merci pour la confirmation. Voilà. Alors, ce que t'as pas compris, Alicia, c'est que ce simple screen cause ta perte. C'est un peu comme Nemeru, en fait, avec son truc d'IA. Et alors, le pire là-dedans, c'est que quand on te l'envoie, tu dis « Oui ». J'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, putain, j'ai juste besoin de souligner ce qu'il y a dans le truc, c'est ouf! C'est ouf! Ça, c'est des aveux, en fait! Ça va te valoir cher! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un unroll! Bah oui, allez, vas-y, l'unroll, on continue! Ouais, bah oui, on appelle ça un aveu! Oh mon dieu, mais je me parle à moi-même via tweet interposé et tout, avec trois genres de décalage! Je suis un génie! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le live réponse d'Alicia Machniki est de loin la pire défense que j'ai jamais vue, c'est historique, historiquement con. C'est pas possible. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce machin? Qui se souvient de Nemeru? J'ai toujours une panne, Madge, hein. Je t'avoue, je suis relativement paumé et tout. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Claqué qui vient foutre un autre échec et mat, après le post sur Nemeru et tout. Là maintenant, on a... Quand ces gens vous diront qu'ils ne sont au courant de rien et que machin ne connaît pas truc ou bidule et qu'ils n'ont aucun rapport entre eux, oubliez pas qu'Ender a ces personnes dans CMP. Source son live d'hier, merci. Parce que cette gourde d'Ender, en fait, pendant une seconde, elle a affiché ça. Ben on a l'œil. C'est comme TMP avec Inébloui. C'est on va tout retranscrire et tout. T'inquiète, t'as rendu ça public. Attends, on est là. Oh putain. Alors attends, donc du coup, on a qui? Alors, du coup, Nemeru, Monsieur Chan, Nouska, Eltwen. Oh bah tiens, Anna. Oh bah tiens, Neutrino. Gato, Smardios, Lambda, Gwendal, Toxic Queen. Oh bah ça alors. C'est surprenant, si tu veux. Sarah, Roi des Zombies. Bah ça c'était normal. Draghi qui est venu demander toutes ces conneries. Anya et tout. Les cartes, Shiva. Ouais, il y a tout le monde quoi. Ouais, il y a tout le monde. Et ça encore, c'est que les messages récents. Vous êtes des débiles. Vous êtes des débiles. Vous vous êtes cramés à chaque étape. C'est fabuleux. Et alors là, on a l'indécence fait homme. On a l'axe. Alors du coup, face à l'intégralité des personnes qui sont docs. Alors écoutez donc William Dupy, va nous dire qu'en fait, il a un semblant de race. Même si je suis pas franchement en bon terme avec Mister, pas forcément le mieux placé pour dire ça. Non, je valide pas ce move. En vrai, je valide pas mon précédent. Il commence à avoir des remords d'avoir déterré un cadavre, c'est bien. Faut être teubé pour Dox 300 personnes, dont les 9 dizaines sont même pas concernées. Force au doxé, et j'aimerais vraiment pas être l'abruti qui s'est amusé à impliquer autant de personnes qui ont rien à voir avec ces gamineries. C'est vraiment pas brillant. Donc du coup, cet homme s'appelle William Dupy. Et il y a 3 jours, il doxait mon daron décédé en 2007. Tu doxes des cadavres, Willy. Tu tomberas avec eux. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il nous fait croire qu'il a une race, lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pauvre taré, là. Et il assume pas, il est parti. Mais alors, reviens ici. Reviens ici. Allez. Reviens ici, là. Rah, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là? Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a Epicurus qui a fait un mème sympathique, si tu veux. Donc, d'un côté, on a Shiva et sa secte, et de l'autre côté, on est là, si tu veux. On va peut-être crever, mais au moins, si tu veux, nous, on est une race. Et donc, du coup, Shiva avait répondu, vu comment finit le film, cof. Donc, c'est ainsi que le responsable d'une secte qui a dox 300 personnes répondit, en bombant le torse et en faisant le kéké. Heureusement, j'ai ton prénom et ton nom, on se retrouve avec les 300 victimes de votre secte au tribunal, Shiva. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Donc du coup, ah ouais, alors entre temps, on a eu une petite info. Outre ce que dit Ender, on back, il y a Gatos qui a confirmé que c'était bien Neutrino qui avait, stressé à mort Alicia pour la pousser OS et tout le bordel, si tu veux. Donc du coup, merci Gatos. Clément revient ici, mon grand. Alors comme ça, on pousse les gens OS, ça suffisait pas de frapper ta sœur, Clément, c'est ça, hein? Donc, mais il y a un beau casting, Poupie, dans les tarés, là. T'inquiète, il sort de Jéhovah, lui. Il est pas mal, non? Ils ont tous un CV, c'est incroyable, c'est fabuleux.
Du coup, voilà. Donc, il est pas choupinou, lui. Regardez-le, là. Alors, photo publique, hein, récupérée sur ton Twitter, espèce de bâtard. Vous êtes finito. Vous êtes finito. C'est... Qu'est-ce que c'est que ce machin, si tu veux? Comment ça s'appelle? Ouais, alors, quand même, de graves accusations sur quelqu'un, sans avoir de fondement à ces accusations. Le fait qu'il y ait eu Dox ne lui donne pas le droit de ce genre de pratique. Cet homme est complice avec cette bande et protégé encore jusqu'à peu. Il y a le mec qui doxe le cadavre de mon père, si tu veux. Donc, du coup, Calnos complice et soutient William Dupy aussi. Hein. Non, mais s'il faut tous vous présenter, il n'y a pas de souci, on le fera, tu vois. Il y a des gens, ils vous connaissent pas et tout, ils savent pas de quoi elle est composée cette secte et tout, il n'y a pas de souci, nous on est là. Donc du coup, Calnos complice et soutient William Dupy, justifié, défend toutes les exactions de la secte qui a dox 300 personnes depuis des mois. Bonjour Calnos, tu croyais qu'on t'oublierait? Vous savez ce qui est drôle? C'est que il a un dossier à lui dans les 300. Alors nous, on n'est pas des salopes, on est allé lui donner. C'est parce que lui, il a pas de race et toutes ces conneries, mais c'est normal, c'est sa mère, elle aurait dû l'avaler. Mais donc du coup, comment ça s'appelle? Nous, on lui a apporté le dossier, si tu veux. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu qu'en soi, oh bah ça va, moi y a rien. Et donc du coup, c'est sa défense par rapport à vous qui vous êtes fait doxer. C'est que lui, il a rien. Donc ça va. Elle est incroyable celle-là, non? Ce fils de pute. Oh là là. Comment s'appelle? Bonjour, Calnos. T'as cru qu'on t'oublierait? Si vous allez tous tomber. Si on n'oublie jamais. Si vous êtes des tarés. Oh là là. Donc du coup, on a quoi? Déshonneur par association. Peu importe qui Ender Arcana a ou n'a pas dans ses contacts. Ce n'est en rien une preuve de culpabilité. Bah ouais, mais CMP, c'est autre chose. C'est juste un sophisme qu'on utilise quand on n'a pas de vrais arguments ou de preuves de ces accusations. Malheureusement, la preuve, on l'a montré. Donc du coup, t'es complice. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est diffamation. Mais tout le monde le saura. C'est tout le monde saura que tu cautionnes les doxeurs. Hein. Tout le monde le saura, Kendall. C'est l'heure d'assumer, là. Vous avez pas compris, en fait. C'est comme dans SNK. On vous a parlé du grand terrassement pendant longtemps. C'est maintenant. C'est maintenant. T'as cru à des moments que ça se déclenchait, toutes ces conneries? Tu t'es loupé. Allez, hop, hop, hop. Donc, du coup, t'inquiète, je crève à la fin. C'est dans le script. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a après? Du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente Shiva, le créateur de la secte des ténèbres. En gros, c'est le type qui a créé le groupuscule qui a ligue 300 innocents. Mais ça, on l'a déjà lu et tout. Finito Shiva. Qui en a d'autres? Ah ouais, alors du coup, je me suis posé une question au bout d'un moment. Parce que, en fait, récupérer tous les dossiers, c'est sportif. Essayer de répondre à tous vos messages, c'est sportif. Redistribuer tous vos messages, c'est sportif. S'organiser avec une équipe de 4, c'est sportif, si tu veux. Faire toutes les démarches et tout auprès des autorités pour savoir ce qu'il faut faire et tout, et appeler des conseillers juridiques, c'est sportif et tout. Et donc, du coup, moi, je me suis posé une question. Tu sais, j'étais en train de me démerder concernant des conseils juridiques, tu vois. Et ça m'a rappelé un ex-collègue, monsieur. Du coup, je me suis demandé, c'est con que moi, j'ai le droit d'être un énorme fragile en porcelaine qui a besoin de se mettre au vert, juste pour savoir, c'est un privilège blanc ou pas? Et en fait, il aurait jamais fallu que je me fasse cette réflexion. Parce que du coup, en fait, je me suis rappelé qu'il y en avait un qui fermait bien sa gueule, en fait, depuis le début. Et donc du coup, je me suis un peu énervé. Alors entre temps, on a eu ça. Donc du coup, on a Miman qui a strike comment s'appelle, la VOD du 19 juillet et tout. Ah, sachez un truc, il y a une bonne partie comment s'appelle de pas maintenant, ça on se le garde pour après. Non. Donc du coup, le live du 19 a été supprimé par Miman et tout, si tu veux. Donc du coup, je disais, une des personnes à l'origine du Dox vient de strike un live pour dissimuler ses exactions. Ça part en montage et let's go re-upload. Prêt pour un effet stressant de ma chère Iman ou pas? Tu nous dis, hein, vous n'effacerez rien. Bonjour Iman, t'es prête pour un mass re-upload ou pas? Ça se passe comment? Alors si vous voulez re-uploader, hein, parce que moi je fais bien les choses et tout... si vous voulez re-uploader le D-Live, je vous donne l'autorisation. Vous avez le lien du Dropbox dans la description de la VOD que vous regardez. Et je vous la mets à disposition dans le chat. Dedans, vous avez la vidéo qui a été strike et vous avez la vignette pour comment ça s'appelle, pour la foutre et tout. Donc du coup, comment ça s'appelle? Si vous avez envie de re-upload, étant donné qu'en fait là on est parti dans une stratégie en face de gros nazis et tout, si tu veux, qui sont sur sa race, donc en soi, il n'y a pas de souci.
Mais donc du coup, vous faites ce que vous voulez. C'est vous re-uploader autant de fois que vous voulez et tout, je m'en bats les reins. Sur toutes les plateformes que vous voulez, hein. Je m'en tartine le fion. C'est ce fichier, il est open source maintenant. C'est vas-y. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors du coup, je me suis rappelé qu'il y en avait un qui fermait bien sa gueule. Hein? Mais parce qu'en fait, il a rien à gagner dessus. Donc du coup, j'ai lancé un mini-arc en plein milieu de tout ça, histoire de clôturer un truc une bonne fois pour toutes, tu vois. Du coup, si Fouali en avait vraiment quelque chose à foutre du danger du doxing, il vous aurait partagé ceci. 300 innocents doxés par une secte. Donc quand je dis ceci, c'est la liste. Hein, j'insiste bien, c'est la liste pour que les gens, ils voient sur leur nom, il est dessus. Hein, on est bon? D'accord, allez. Donc du coup, 300 innocents doxés par une secte. Parmi les victimes, on compte plusieurs ex-modos de Stéphane, mais il s'en balèque. C'est pas un influenceur sur lequel il peut gratter. Ton opportunisme se voit de plus en plus, et je suis gentil, j'ai pas parlé de ton Discord sans rancune, Stéphane. Là, on pourrait me dire, oui, mais en fait, récemment, il était au vert et toutes ces conneries. Le doxing, c'est plus trop un truc qui l'intéresse et tout. Bah si, regardez, quand c'est un gros influenceur et tout. Là, par exemple, c'était il y a un jour et tout, tu vois. Genre, Regil Gorilla, moi qui voulais passer une belle semaine, me voilà plongé de nouveau à aller porter plainte à la police. Merci l'extrême droite, un grand plaisir. Et là, du coup, tu vois, il y a un truc à gratter. Donc, du coup, Stéphane, il est là. Foilier dit, les fachos sur Internet sont des petites frappes. Épisode 1000, Regil Gorilla a doxé pour ses positions progressistes. La méthode habituelle, soutien. Donc du coup, merci de me donner raison, Foilier. En vrai, je suis resté en retrait tout concernant, mais grosse erreur de ma part, Steph. Putain, j'aurais dû m'étirer, mais dès que j'aurais pu, quoi. Ironiquement, je disais, s'il avait été sur la liste, t'inquiète que ça aurait été le branle-bas de combat à t'en retourner tout Wix. Il aurait rien fait s'il avait été sur la liste, vu qu'il est déjà doxé depuis une bonne année. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Le prince de la victimisation du YouTube français n'aurait pas fait ça. Oui, bien sûr, on te croit, oui, oui, oui. Déjà doxé depuis une bonne année, sérieusement, il n'y a pas déjà assez de bordel dans cette histoire, sans aller aggro des mecs juste parce qu'ils n'ont pas réagi. Alors je me permets de rajouter un paramètre, il a Iman Mouloudi dans ses MP. Parce que tout le monde a l'air de faire comme si ça n'existait pas comme paramètre. Mais si, hein. Attendez deux secondes. C'est il a Iman Mouloudi dans ses MP. Vous me croyez pas? Non, mais on va lire des messages qu'il lui écrit lui. Non, vous allez voir, vous allez plus me croire. Du coup, il a pas aimé. Le pauvre, putain de fragile de merde. C'est incroyable. Donc du coup, Foilier vous a bloqué. Tu lui dis, il y a 300 personnes qui se font doxer et que tu réagis pas, larve. Et le mec, il se vexe. Lâche, merci pour ton vrai visage, hein, égoïste pathétique, là, sans déconner. Alors là, il s'est dit, vas-y, je vais faire un thread. Bon, alors attends, on va le lire. Alors tenez, voici le thread. Oh tiens, c'est marrant. Vous voyez pas un truc qui manque? Y'a rien qui manque là-dedans, dans ces trois images. Y'a rien qui manque, non? Non, y'a rien qui manque? Non? Et la putain de liste de toutes les personnes qui se sont fait doxer, elle est où là? Ça se passe comment? Bref, donc du coup, on vient de m'expliquer un truc assez grave. Alors, je vais mettre les choses au clair, puisque je suis sommé d'en parler. Il semblerait que 300 membres de la communauté de Chaisel aient subi un doxing collectif par je ne sais qui. C'est quoi le problème des gens? J'ai des divergences colossales avec Chaisel qui m'ont poussé à couper les ponts avec lui. T'es une merde qui te fait tenir par les couilles par Iman Mouloudi et Anthony Reisberg. T'es un lâche opportuniste. Et toute ton équipe de modération est d'accord avec moi. De quoi tu parles? Donc, les divergences colossales. T'inquiète, on va les montrer, les divergences colossales. Vous allez les voir. Ah oui, attendez. Ah si, j'en ai une autre. Vous savez, c'est quoi la divergence colossale qu'il a eue récemment? Il a pas aimé qu'on affiche Iman et que je vous prouve qu'en fait, elle était pas voilée. Il a pas aimé. Parce que tu comprends, en fait, quand t'es un gaucho de Twitter de mes couilles, là, en fait, ce qui compte, c'est les apparences, tu veux. Et donc, on s'en fout que cette tarée participe à un dox de 300 personnes. Non. Ce qu'il faut sauver, c'est les apparences. L'apparence, c'est quoi? C'est censé être une femme voilée et tout, avec une photo volée. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, le seul truc que je vous prouve, c'est qu'elle vous ment, tu veux. Et le réflexe de Stéphane, tu veux, c'est de se dire, oh, la pauvre Miman et toutes ces conneries. C'est ça, la divergence de Stéphane. Va bien niquer ta grosse race, la pute. Va te renommer Foilier. Va te renommer Foilier. Du coup, comment ça s'appelle
Tac. Et je ne sais qui. C'est quoi le problème des gens? J'ai des divergences colossales avec Chazel qui m'ont poussé à couper tout contact avec lui. Je lui en veux pour beaucoup de choses. Oui, bah, parce qu'on s'en bat les couilles, Stéphane. Hein. C'est un sous-être comme toi. Tu crois qu'on en a quelque chose à branler de ce que tu me reproches? Va trouver une race déjà, et ensuite on parlera, tu vois. Peut-être je te considérerai comme un être humain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui en veux pour beaucoup de choses. Je ne défends pas son attitude. Non, mais t'inquiète, hein, moi je défends pas la tienne. Hein. Ce fils de pute se fait quand même passer pour un allié des féministes, alors qu'il tient en otage un Discord. Genre, et toute l'équipe auquel il tient en otage ce Discord, tu vois, c'est que des meufs. C'est que des meufs, tu vois. Mais tranquille. Ah putain! Oh là là! Mais celles et ceux qui passent leur vie depuis 3 ans à le pousser à bout, à l'injurier, à le harceler, c'est à la faute, c'est quoi votre problème en fait? Vous avez un souci avec lui, agissez en adulte, vous le bloquez ou vous expliquez. Mais non, content de vous en prendre à lui, vous passez à l'acte en doxant son public. Mais c'est quoi votre souci en fait? Vous êtes indéfendable, quelles que soient les raisons de votre désaccord avec lui. Oh bah c'est marrant! C'est marrant! Oh là là! Comment ça s'appelle? Tac. Être doxé, je l'ai vécu et c'est trop marrant. Oh, ça y est, t'as tenu combien? T'as tenu 4 tweets. T'as pas partagé la liste. T'en as profité pour me cracher à la gueule alors que c'est toi la sous-merde humaine. Et là, tu nous parles de toi et de ton kokoro. Mais va te faire enculer. Du coup, être doxé, je l'ai vécu et c'est traumatisant. Vous avez perdu toute forme d'humanité en agissant sans vous soucier. Des conséquences humaines de vos actes. Et je vous vois venir celles et ceux qui viendront me dire « Oui, mais Chazel, il a fait ci et ça et ça. » Alors, d'une part, une faute n'en corrige pas une autre. Et d'autre part, si vous avez des souci avec une personne, de quel droit vous faites-vous justice vous-même en fait? J'apprends ensuite que deux de mes modérateurs de mon ancien Discord fait partie des doxés. Tu ne sais pas compter. Mais pardon, deux personnes qui ont accueilli pendant un an sur le... Oh non, tu vas jouer cette carte après tout ce que tu leur as fait. Tu vas jouer cette carte, c'est ça? Ok, à toutes. Deux personnes qui ont accueilli pendant un an sur le temps libre des femmes venues chercher des solutions à des problèmes de violence conjugale. Donc c'est parce que quoi? Elles suivent un vidéaste que vous haïssez? Mais quel manque d'humanité en arrivez-vous à justifier de telles attitudes? Oui, mais dans le lot, il y a ton ancienne modératrice qui dit du mal de toi. Mais pardon, vous pensez que je lui souhaite c'est de subir le stress d'un doxing? Mais ma parole, prenez des distances avec les personnes que vous ne supportez pas, ignorez-les, mais sans prendre à eux ou à elles personnellement. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Et maintenant, c'est au tour de leurs proches d'être victimes de votre vengeance. À Crazy, Blood Angel et Alexia, je suis tellement désolé. T'as oublié claquer. Grosse merde. Je suis tellement désolé. Blood et Air. Un jour, il faudra qu'on en parle de la Roxane, hein, hein. Dans tout ton bordel, là, et toutes ces conneries de modération foireux, là. Un jour, il faudra peut-être qu'on en parle de la Roxane, hein. Grosse tarée, elle aussi, hein. Sont en train de m'expliquer la situation. Je suis catastrophé de ce que je lis. Prenez soin de vous, je vous en prie. Et à celle qui continue H24 à s'en prendre à Chazel pour toutes les raisons de leur choix, à sa compagne. C'est un concours, c'est ça? c'est un concours. Donc là, t'es censé parler de claquer, c'est ça? Mais c'est une merde! C'est incroyable. Donc pour la 150e fois, non? Et à celle, à sa compagne, à ses modos, à son public, arrêtez de provoquer une catastrophe. Mais c'est une merde, c'est incroyable ce type. Clic droit, bloquer Chazel, puis passer à autre chose. T'es censé partager une liste de doxés, fils de pute. Tu comprends ou pas? Saisissez des voies légales si nécessaire, mais cessez de vous comporter comme des justiciers inconséquents qui se moquent du mal qu'ils causent. Mais tu es dans la même case? De quoi tu parles? J'apprends aussi que Tibulle fait partie des doxés, une des personnes les plus douces, les plus empathiques qui soient... Oh là là, il joue des violons et toutes ces conneries, tu veux. C'est du délire, de A à Z. Vous n'avez aucune valeur, aucun principe. Et je hais votre comportement de petite frappe. Je ne défendrai jamais Chazel pour différentes choses, et je ne souhaite plus de contact avec lui. Mais ce gars a été mon seul bouclier quand Psychodélique s'acharnait sur moi. Psycho, tu veux des balles pour tomber sur... Psychodélique, est-ce que tu veux des balles pour tomber sur Foualier? J'en ai une, elle devrait te plaire, mais pouah, t'imagines pas à quel point. Oh putain. Oh mais t'imagines pas. Mais tu le fais tomber en un instant. Ah ouais, non, t'imagines pas. T'imagines pas. Sans déconner. Ça a été mon seul bouclier quand P s'acharnait sur moi. Encore et encore, à une période où je me demandais le matin si j'allais pas me foutre en l'air.
Il a mille choses à se reprocher et je ne contredirai personne à ce sujet. Non mais psycho, hein, vraiment, si tu veux ta balle, tu m'envoies un message. Hein, mais fichez-lui la paix à lui et aux personnes qui le suivent. Bloquez si vous, s'il vous dérange, mais ces méthodes de mafieux, c'est absolument intolérable. À quelle époque de fou des milliers d'internautes ne prennent même pas la mesure de la gravité de leurs actes. Oh, bah, c'est bien. Il a fallu le forcer, hein, mais c'est bien. C'est bien. On te dit, il y a une liste de 300 victimes à partager. Toi, tu nous prends un thread à moitié pour me cracher dessus et à moitié pour te victimiser. Renomme-toi le faux allié, hein, juste par respect. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Donc, si vous voulez re-upload, c'est ici. Bah alors, ça fait plus le kéké? Bah alors, ils sont où? T'es plus en train de nous donner des preuves comme quoi vous doxez des gens? Oh, ça fait moins les kékés. C'est ouf, hein. C'est quoi cette histoire? Non, ça on l'a lu, continuons. J'informe, notre Inno ne m'a pas poussé au suicide. Au contraire, c'est lui avec Toxic Girl qui ont appelé les flics et les pompiers pour me sauver la vie. Les pompiers pyromanes, on connaît, ouais. Commencez pas à inventer un narratif sur ce qui s'est passé, donc vous n'êtes pas un témoin direct. Et là, on a la chatte à Clément qui vient nous dire... Vous êtes des malades de dire que c'est notre Inno. Et pendant que Gatos nous confirme que Clément a poussé Alicia OS, le nouveau narratif est en cours d'écriture. C'est incroyable. Donc ça, on l'avait vu, complice... Tac, tu vas payer, mais ce serait pas des menaces, ça? Ben, judiciaire, oui, tout à fait. Tu vas faire partie de ceux qu'on va traîner au tribunal. Alors, regardez-moi ce trophée de chasse, là. Regardez. 1, 2, 3 et 4. Oh, ils sont pas tout choupis? Ils sont pas tout choupis? C'est marrant, hein? Ça fait beaucoup moins le malin, hein, quand on capte les saloperies que vous faites et qu'on les montre à tout le monde. Hein. C'est ouf, hein? Ouais. Merci beaucoup, Lord Lucifer, pour le sub, Yumi Yumi, sub so good. Continuons, y'a quoi? Oh bah tiens, y'a notre Inno aussi. Oh bah tiens, ouais, rampez, allez, cassez-vous. Ils n'ont rien de solide, si tu n'as rien fait. Mais on vous les montre les preuves, ils vivent dans quelle dimension eux? Tu as juste à rester sûr dans tes bottes, ils finiront par se casser les dents et leur incapacité à envisager l'erreur se tournera contre eux. Alicia va en tôle dans tes rêves. Mais non, il est pas du tout complice, voyons. PTDR. Alors du coup, il y a Madge qui nous a fait un petit sondage. Alors, il demande quoi? Qui selon vous sera la prochaine personne alliée à Miman et la soutenant activement qu'elle jettera au lion pour sauver ses miches et maintenir son narratif comme elle l'a fait avec Ender hier? Ah ouais, Neutrino à 2000%. Neutrino. Neutrino. Par ordre, ça fera Neutrino, Toxique, Nemeru, Anya. Neutrino, Nemeru. De quoi? Nemeru est en 2, pas en 3. Neutrino, il va sauter en premier, ensuite sera Toxique. Oui, ah, c'était non, mais, pronostic, non, mon pronostic, okay. Ce sera ça, ce jeu. Mais bref. Alors, quand on lui a dit qu'il s'en battait les couilles, il a fait: mais enfin, pas plus tard qu'hier, j'ai adressé mon soutien à toutes les personnes doxées. Et c'est sous ce tweet que quelqu'un est venu me dire: lol, tu soutiens les personnes doxées, mais Psycho a dit que tu faisais les mêmes méthodes en engageant des hackers. J'ai juste ri à ça. J'en peux plus de votre agression permanente, en fait. Je soutiens, je suis hypocrite. Je me tais, je suis hypocrite. Je dois faire quoi de plus? Bah, c'est pas un ton adéquat. Commence par parler avec respect à des victimes et range ton ego. Fragile. Sans déconner. Hein. Ils sont tout mignons. Ils sont tout choupis, putain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous présente le rename de Miman, du moins, hein, on arrive sur fin juillet, donc c'est parti. Bon, c'est toujours Marcus Oscar de Mirce, mais du coup, c'est Sibylline du monde. Sachez que le truc au-dessus, c'est vous et moi, hein, du coup, hein, comme vous voyez, hein, du coup, vous êtes des aveugles et tout, et puis un roi et tout. Et puis, comment ça s'appelle? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, monsieur. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'elle porte le même haut que sur la photo. Mais bon, tu peux changer de nom autant de fois que tu voudras, hein, ça servira à rien, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a Tara Moon qui a dit les termes, parce que c'était comme ça en mode: oh, mais pourquoi on est accusé, toutes ces conneries? Donc du coup, il y a Tara qui débarque, qui fait: si je peux me permettre de me donner mon avis, étant extérieur à tout ça, je pense être un minimum objectif. Pourquoi les mauvaises personnes sont pointées du doigt? Mettez-vous à la place de ceux dont les infos tournent. On a vu Nemeru fanfaronner le 20 juillet en pensant avoir les infos de Madge, infos qui, on le sait maintenant, proviennent de ses dossiers. Difficile de croire qu'il n'en a jamais parlé à Anya. Je n'accuse personne, j'estime ne pas avoir assez d'infos pour pouvoir dire qui a fait quoi, et ce n'est pas mon rôle de toute façon. Mais d'un côté, on voit Chisel qui fait la Gatling à preuve, merci Tara,
et de l'autre, Anya qui dit juste « J'ai appris ça en même temps que vous ». Forcément, les personnes touchées, sous le coup de stress, vont penser que ça vient de vous. Encore une fois, je dis pas ça pour vous accuser. Ah oui. Juste pour vous expliquer pourquoi certains pensent que ça vient de vous. Donc ne leur en voulez pas, ils doivent vraiment être dans le mal en ce moment, et Chazel, malgré tous ses défauts, et que je ne nie pas, tu sais ce que j'en pense, s'inquiète sincèrement pour sa commune, j'en suis certaine. Désolé de me faire un peu l'avocat du diable, c'est juste que je sais très bien dans quel état je serai si des infos à moi tournaient chez des inconnus. Elle a tout dit. Désolé, j'ai réagi. J'ai oublié de te demander un truc, en fait. Il y a Plipli qui demandait s'il pouvait passer pour ce qui avait été dit avant le live. Ce qui avait été dit avant le live. Ouais, il devait passer pour parler de, bah, je crois, des plaintes. On regarde à la fin de la capsule, du coup. Non, on le fera plus tard, ça. On n'avait pas dit qu'on le faisait là, maintenant, là. Ok, oui, c'est juste parce que j'ai oublié de te le redire, puis il m'avait dit de te le redire juste avant, puis je suis débile, puis je viens de... ça vient de tiquer. Mais moi, dans ma tête, on le faisait pas là, ce soir, là, en soi. Là. C'est, on n'a pas eu le temps de se poser ensemble et d'en discuter et tout. Enfin, on s'est croisé 3 secondes. C'est trop tôt, quoi. Très bien. Surtout si on... Non, y a pas de souci, mais si on leur donne une directive, il y a 300 personnes qui vont nous écouter quand même. J'aimerais bien genre qu'on se pose avant quand même. Du coup, on a ce type là, je sais pas si vous vous souvenez de lui, le modérateur là sur Twitter là qui nous faisait des petites leçons, monsieur. Et ça va, j'ai cru comprendre que c'était un poil compliqué en ce moment. Je n'ai pas été doxé car je ne mêle pas de vos affaires. Et je sais que tu en veux toujours au modérateur en général, mais bon, pour information, Miman avait voulu me recruter pour faire la taupe auprès de toi et ta communauté. Je n'ai jamais répondu à sa solution. Mais je pense que c'était surtout pour pouvoir maximiser chaque signalement. Je dois toujours avoir les screens au cas où, en espérant que ça t'arrange. Toi là, t'as formé Anya à bien utiliser des codes pour ma signal. Me parle même pas, bâtard, envoie tes screens et attends aucune réponse. Et merci encore d'avoir formé Sergeva à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est connard. Et il a pas aimé. Oh, il a pas aimé. Oh, bah alors, c'est quoi, t'as des regrets, c'est ça? C'est fabuleux. Ils sont tous choupis, si tu veux. Comment on s'appelle Chazelix, j'annonce la fin de vie de ce compte, mais peut-être pas de l'aventure. J'ai tenu une semaine avant le blocage par Cyr, sans compter le shadowban de fou furieux que je subissais par X. J'espère que j'ai pu vous amuser et faire rire certains cœurs sur vos têtes en doxant des cadavres. Oh, t'inquiète, le jour où ton IP sera tracé, tu vas chialer comme ta mère. Hein. C'est vrai. Alors du coup, on a Agatha qui est venue défendre le dox, hein, parce que pour elle, c'est bien. Données qui ont été distribuées à plusieurs dizaines de personnes et dont certaines ont déjà été utilisées pour nuire, tenter de pirater des comptes et mis sur Doxbin. En défendant cela, tu te rends complice d'un acte légalement répréhensible, ne rentre pas dans cette histoire. 1. Preuve de la divulgation. 2. Je désapprouve totalement la collecte de données illicites à des fins de nuire, bien entendu. 3. Où as-tu vu que je défends cela? 4. Je ne rentre dans aucune histoire. Je pointe ce qui se passe réellement et que vous ne voyez pas. 1. Preuve de divulgation. Le Doxbin qui a été fait sur ma gueule, aujourd'hui effacé par l'intervention d'une autre personne. 2. Tu désapprouves. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit et essayer de défendre cette collecte qui est illicite, ainsi que divulguer à des personnes tierces, c'est du doxing. 3. Dans ton message, tu pointes le fait que ce n'est pas du doxing alors que si. 4. Tu rentres dans cette histoire en défendant les coupables. 1. Tu as été doxé sur Doxbin et les 299 autres. Ok. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Après, elle se demande pourquoi elle passe pour une folle. Mais elle, il faut l'interner. Je comprends pas pourquoi elle a le droit de s'exprimer, en fait. Toi, t'as été doxé sur Doxbin et les 299 autres. Cela dit, je suis navré pour toi. C'est aussi quelque chose que je désapprouve, évidemment. Mais toi, faut te mettre, mais avec une camisole. Putain. Pour toi, oui, mais pas les autres. Jusqu'à preuve du contraire. Si j'ai manqué quelque chose, montre-moi. Internez tous ces tarés, là, en fait. Regardez-moi cette pute, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand bien même ce ne serait pas un dox, alors que les données ont tourné sur un Discord puis postées sur Doxbin, bah les données ont été obtenues illégalement. Source, une avocate innocente d'après tes dires. Tu suis Chazel de loin? Bah reste de loin, merci d'avance. On est d'accord sur ce point. Collecte de données illégales, je désapprouve. Anya a dit que c'était des infos de source illégale, mais il n'y a aucune preuve de son implication. Mais comment tu sais ça? Comment elle sait ça, là, Anya? Comment elle sait qu'Anya la pute, elle est pas si impliquée, en fait? Comment tu le sais? T'es extérieur ou t'es interne au truc? C'est pour savoir si, en fait, on te rajoute au dossier, en fait. C'est incroyable. Du coup, depuis que je suis Chazel de loin, j'ai jamais vu un tel niveau de décalage avec la réalité de ses propos et de ce que croit la commu. Dire doxing pour parler de collecte de données, accuser des gens qui ont pourtant toutes les preuves de leur innocence, etc. Où est la limite? Est-ce que vous avez vu une seule preuve du camp d'en face? Parce que nous, on les attend encore. Hein.
données qui ont été distribuées, comme ça c'était dit. Alors les cards, hein, la bonne pute là qui débarque là. Alors perso, à ce que j'ai compris, elle ne défend pas l'acte illégal commis. Au contraire, elle se défend de pas complice de l'acte et elle demande les preuves de cela. Les preuves de mon doxing? Mais vous avez tous cru que j'allais balancer un screen de Doxbin avec mes informations privées? Peut-être d'ailleurs, bande de tarés. N'emploie pas le vous pour t'adresser à moi seul. Tu crées l'illusion d'être face à un groupe et ce n'est pas le cas. Si. Pas les preuves de ton dox, mais celles du dox des autres membres de la Ok, tu. En fait, toi, tu passes derrière pour récolter les infos des autres, en fait, c'est ça? C'est. Ouais, d'accord, ok, très bien. Comment ça s'appelle? Tac. J'ai pas compris, il est pas. Ah, t'es en train de se mettre, c'est Dark, c'est trop bien, Dark. Pas besoin de monter des. Pas les preuves de ton dox, mais celles du dox des autres membres de la commune. Pas besoin de monter des screens, des témoignages concordants, c'est déjà un bon début. Ah oui, donc les cards, il existe pas. C'est une imagination de nos cerveaux, alors PTDR. Bon, allez, va rêver de suicide tout seul, toi là-bas, là. Ils sont incroyables, hein. C'est putain. Mais si ta mère, elle avalait plus souvent les cards, on t'aurait pas sur le dos, hein. Du coup, vous voulez la vraie raison du pourquoi Foualier, il partage pas la liste des 300 victimes? C'est un conflit d'intérêts. Ça tient en 5 screens. Vous êtes prêts ou pas? Allez, Stéphane, c'est fini sans recule. Sans rancune. Donc du coup, le 5 mai, quand on attendait encore de réponse. Hein. Sauf que là, moi, je tiens le coup. J'ai des soupapes pour souffler. Chaisel a l'air totalement dedans. On a discuté ici, et la discussion avait simplement été le retrait, si ça dégénère. Vous avez super bien réagi, bravo. Vous avez tous deux des façons de réagir différentes à cet harcèlement. J'espère juste que ça va se calmer, sans trop de dommages pour vous deux. Moi, ça ira, quoi qu'il arrive. Priorité, Chaisel, je suis très entouré. J'ai les modos extrêmement protecteurs avec moi. J'ai des amis proches, une compagne, un boulot prenant. Ça ira. Priorité, Chaisel. D'accord. Ouf, c'était très émotif, je comprends. Je vous en prie, ne réagissez pas si Chaisel m'attaque. Il ne va pas bien. Il ne faut surtout pas qu'il se sente poussé à bout. Laissez passer. On sait que vous passez tous les deux des moments difficiles. On s'est limité à essayer de calmer la situation en ton absence. On a bien compris qu'il a bon fond et comme toi, il a subi un bon harcèlement. Il ne mérite tellement pas ça. Ah, tu pouvais pas répondre, gros fils de pute, mais non, tu sais quoi, on va voir pourquoi tu réponds pas. Sale merde. Personne ne mérite ce que vous subissez tous les deux. On est juste débordé que les événements aient créé des tensions énormes entre vous, mais c'est parce que c'est une sous-merde. Mais clairement, on n'a jamais eu l'intention de s'en prendre à Chaisel. En fait, je pense que c'est uniquement le silence et le manque de réponse qui a fait de la peine à Chaisel et qui nous a aussi mis dans une situation inconfortable. Lui dire exactement ce que tu viens de dire aurait suffi. Il en avait parlé hier sur son live. On peut te mettre les timecodes si tu veux. Je vais lui écrire, mais je suis embêté. Il ne doit pas savoir que Riceberg m'en a parlé. Et ben maintenant Internet le sait. Donc du coup, alors, c'est un conflit d'intérêts. Parce que depuis le début, en fait, le Foualier, ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'en fait, il est main dans la main avec Iman. Il est main dans la main et tout, parce que là, il y a le Riceberg qui est en mode « Non. Fais rien et tout, ça va nous nuire à nous, nuit pas à Miman. » Du coup, voilà. Donc, Foualier, s'il agit comme ça, c'est parce que c'est une petite chiennasse à qui on a dit « Ouais, mais en fait, je défends une harceleuse. » Donc, du coup, devient une serpillère. Il a fait sa petite serpillère. Il fallait pas que je sache que Riceberg t'en avait parlé. Oh là là, mon petit Foualier, c'est incroyable. Vraiment, surtout pas. Je comprends, après, il reste correct, pas du tout agressif, il est surtout déçu. D'accord, je l'appellerai quand ça ira mieux pour lui expliquer. On attend toujours ton appel, fils de pute. Non, même pas. Juste pour m'excuser. Il mérite que je m'excuse, mais on n'en veut pas, elles sont pas sincères. Je pense effectivement que ce serait pas bien. Et puis, nous, on était un peu le cul entre deux chaises. C'est à qui n'en parlons pas, si eux. Tac. Donc, déjà dans son truc, là, en mode, il est avec. Oui, bien sûr, là, si tu veux. En plus, cette Miman, c'est du même style que ta harceleuse. Tu n'as sûrement pas suivi, mais c'est le même niveau. Elle a réussi à bien foutre la merde. En plus, bah du coup, vous n'aurez plus toutes les preuves du revenge porn et de l'attitude de psycho. C'est-à-dire, oui, je sais, c'est assez pervers de sa part. En s'en prenant à Johan, elle s'en prend à notre dossier aussi. Devait penser à avoir gagné un point. Surtout que ça a peu de chance d'aller loin. Si tu savais ce que Chaisel a montré sur elle, c'est du délire. Vraiment dommage que Riceberg ait accepté ça. Surtout connaissant ce qu'il risquait de perdre comme preuve pour les autres affaires. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Et alors là, on a l'échec et mat.
Bonjour les amis, et pardon pour mon interminable silence. J'ai remis Discord sur l'ordinateur de mon bureau pour commencer. Je me sens un peu mieux. Je le remettrai un peu plus tard sur l'ordinateur portable, puis sur mon téléphone. Je voulais juste vous remercier d'être encore et toujours là pour moi et m'accepter avec ces retraits parfois très longs. Mon hospitalisation m'a fait du bien. Tu m'étonnes que tu t'entends bien avec Milman. T'as la même manière de parler. S'il faut, t'as la même mentalité en fait. Et je vais partir quelques jours à la campagne. Je reste connecté cet après-midi si vous avez des questions à me poser. Pardon encore pour ton silence. Sachez que j'ai été énormément sollicité par Milman et Chaisel en privé. Alors je vous ai montré hein, les MP que je lui ai envoyé. Énormément sollicité, oui, bien sûr, pour m'interposer dans leur histoire. Malheureusement, Miman a choisi de se faire représenter par Iceberg. Je suis donc interdit d'en parler pour éviter les conflits d'intérêts. Quelles que soient ses intentions, elle m'a mis en grande difficulté. Et là, je viens de vous baiser ce soir. Alors, ils sont publics, là, vos conflits d'intérêts. Ça se voit. Vous croyez que ça va passer, ça, devant une cour, ça? Croyez que ça va passer? Ah là là! Et rends les clés de ton ancien Discord, connard. Donc du coup, re-upload de la VOD du 19 juillet 2024 et tout. Donc du coup, vous pouvez la retrouver et tout. En version censurée et tout. Comme Imana Strike, le live pour dissimuler ses actes, je vous autorise à re-uploader le live original sur la plateforme de votre choix. Donc du coup, voilà, vous avez juste à cliquer sur ce lien et tout. Il y a la vidéo et tout. Let's go, déjà upload. Let's go, ma man et tout. Elle est disponible et tout. On est bon ? Non, ta gueule, on n'est pas bon. Et là, vous avez le dossier Dropbox et tout. Qu'est-ce qu'on a ? On a Pulco qui s'est exprimé. Alors, dis-nous tout, Pulco. Et coucou. Bon, j'ai eu accès à mon dossier par rapport au docs pour la tentative. Vous êtes des losers. Vous êtes nuls. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer pour vous dire à quel point vous êtes cons. Vous vous dites, ouais, il dit qu'il n'y a rien eu dans son docs, mais... Ou quasiment rien, je vais pas dire ce qu'il y a. Il dit qu'il n'y a rien dans son docs, mais... Et ça veut dire qu'il va rien faire. Ah si ! Merci Monkey pour... Je vais le rejoindre pour le sub. Cours collectif, parce que vous avez essayé de me nuire. Vous avez essayé de me nuire, bande de merde. Alors que j'étais pas dans ce putain de drama à la base. Mais bon, je sais plus ou moins... Merci Monkey. Qui a fait cette commande pour me doxer. Voilà, ça peut être qu'une seule personne. Voilà. Si c'est quelqu'un d'autre... Ah mais qui c'est qui a demandé Pulco ? À mon avis, c'est Toxine ! Ah mais c'est sûr, c'est Toxine ! Ah mais c'est sûr, c'est Toxine ! C'est sûr, c'est Toxine ! Franchement, vous êtes des merdes. Merci Super Maxwell pour le sub, Yumi 7 secondes. Voilà, Ender Arcana, t'es une poucave, tu t'en rends même pas compte. Voilà, on va arrêter les blagues sur Twitter, le troll, tout ça. Enfin si, je vais vous troller parce que c'est pas illégal de le faire. Mais je vais rentrer dans le recours collectif. Franchement, je vais vous faire du sale. Juridiquement parlant, je vais vous faire du sale. Vous allez rien comprendre. Allez, du lourd. Du lourd. J'adore les petites vidéos de Pulco, il me flingue. Mais fais ça en short et fous ça sur l'algo de TikTok et de YouTube, frère. C'est filme-le en vertical et fous ça en short, là. Fais-toi de la vue, putain. Continuons. Donc du coup, il y a Jarod qui nous dit « Je viens de faire l'objet de pression infamante de Circé. » Ah bah alors Circé, alors attendez, bougez pas. Donc du coup, tac, YouTube. Alors, du coup, hein, ça va me faire une pause. Hein, Circé, circule. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, super. Voilà, incroyable. Circé se cache souvent caché, cherche attention, toujours en tension, raté par méchante mais toujours décevante, cherche affection sans liste dans confusion. Circé assez, ton cirque circule en cercle, Circé assez, ta boucle infinie mon cercle, Circé c'est une ratée, elle n'est très charmante. Circé cherche côté chaos, cœur coincé furieux, se crée des crises, des clins d'œil, colle comme elle creuse. Circé s'écroule en silence, crâne lourd, calme sans chance, cherche à capter l'existence, crier sans cesse cette danse. Circé assez, ton cirque circule en cercle, Circé assez, ta boucle infinie mon cercle, Circé c'est une ratée, elle n'est pas méchante mais vraiment à
très charmant. Veut-elle vraiment t'en toucher ou simplement se retrouver? Repose une possession en tête. Si elle s'est gardienne des fêtes, si elle s'est la rate et cherche sans cesse sa chance sociale dans la liesse, souvent déçue, toujours défaite par le drame qui la guette. Alors, on en est où? Donc, du coup, je viens de faire l'objet de pressions de infamantes de Circé. Je suis victime de doxing parmi les 300 doxés spectateurs de la chaîne de streaming Chazel. Je l'ai appris mardi et cette personne, Circé, m'attribue des faits infamants sortis de nulle part. Donc, du coup, je ne capte pas comment on peut mettre une faille logique aussi béante dans son esprit. Comment, quand on dit stop à la bienveillance, quand on passe à l'attaque sans compromis, ce n'est plus de l'esprit critique, ni partage, ni écoute, ni remise en question de soi. Ce n'est pas de l'esprit critique. Jarod, en réponse au harcèlement que subit Falkovitz, mais qui tolère en face la violence et la vindicte contraire au principe de l'esprit critique. Tac, tac. C'est-à-dire, précision SVP, qui es-tu? Que veux-tu? C'est qui en face? Et contre qui surtout? C'est pas un s'il y a un problème, faut que je puisse l'évaluer pour pouvoir le corriger, à moins que ce ne soit une attaque parfaitement gratuite. Donc du coup, tu ne vois aucun problème à transiger avec tes principes. Donc du coup, c'est leur seul argument. Hein. Mais c'est le même argument que Foualier, en fait. Hein. C'est en fait, Foualier, il a le même argument que nos harceleurs, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du coup, l'argument, c'est qu'en fait, on vous a prouvé que Miman, en fait, n'était pas une femme voilée. C'est à deux reprises, avec un shooting photo et avec, un haut que il y a aucun verset coranique qui autorise ça. Mais bon, soit, pourquoi pas. Mais du coup, en fait, ce qui dérange ces gens, si tu veux, c'est le paraître. Donc là, le paraître, c'est « Ah, mon Dieu, la dame et toutes ces conneries, mais la dame, qui c'est qui lui a dit de porter ce haut? Qui c'est qui lui a dit de se prendre en photo ?» C'est pas nous, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est pas nous qui l'avons publié non plus, là. C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, t'es pas dans le screen, hein, mais va savoir pourquoi. Par contre, il y a Toxic qui valide. Hein. Tu ne réponds pas à mes questions. Hein. Jugé par la capture d'écran, tu es partie prenante dans l'harcèlement de Chazel, un créateur de contenu. Je suis un spectateur de sa chaîne en streaming. Je ne comprends pas ce que tu me reproches. Je ne vois pas qui tu es. Je n'incite pas à rien contre ton pseudo. Je tombe très mal et c'est difficile de ne pas y voir un lien. Puisque j'ai appris mardi que des informations personnelles qui m'appartiennent m'ont été doxées. Ah non, mais je rappelle que Circé disait développer des amitiés sincères avec la secte des ténèbres. Donc du coup, on peut en déduire sans aucun problème qu'elle est complice du dox. Allez, du coup, comment ça s'appelle? Fais-tu partie des personnes qui ont orchestré la diffusion de mes informations personnelles et en ce moment même par ces messages? Essaies-tu de m'intimider pour que je n'aille pas porter plainte? Comment ça s'appelle? Ni l'un ni l'autre. Qui es-tu? Que veux-tu? C'est qui en face? Respire. Il n'y a aucune raison de paniquer. J'ai essayé de t'interpeller sur un problème que tu n'es visiblement pas prêt à voir. Tant pis. En portant de fausses accusations contre moi. En m'impliquant dans un truc où je ne sais pas qui vous êtes. Tant pis, comme tu dis. Donc du coup, voilà, c'est parfait. Hein. Je ne comprends pas ces accusations, qu'elle ne nous fournit pas d'explication. Ben, bienvenue dans mon monde. Elle mène une amie qui n'a rien à voir, augmentant la pression de son chantage et les conséquences potentielles de son acte dangereux. Surtout quand cette dernière est aussi harcelée. La correspondance temporelle entre son accusation et le doxing est troublante. Soyez prudent, ami sceptique. Je crois que c'est toujours la même cellule qui opère contre Mr. Sam, astronogeek. Si on peut en tirer une leçon, ben, le problème, c'est que, du coup... dans le lot, on a Miman, Miman Foualier, et puis on est dans le même truc, quoi. Hein. Si on peut en tirer une leçon, non, je n'utilise pas, je ne respecte pas les principes de la zététique face à un agresseur. Prenez soin de vous. Épilogue, je veux donner un conseil très important pour les usagers des réseaux sociaux. Je recommande de se préparer à une agression potentielle, les bons réflexes, comme en cas d'incendie ou en accident de la route, ça se prépare, si tu veux. C'est long ou pas? C'est long ou pas? Ne pas se laisser se balader en rhétorique par les émotions, demander des clarifications et tout. Non, mais ça, c'est juste la rhétorique. Je croyais que c'était par rapport à la protection de données, excuse-moi. Continuons. J'adore ce screen, hein. C'est ce screen qui va tous vous foutre en toile. Hein. Merci Nemero, merci Lossan et tout, donc... Oh là là... J'ai tellement envie de...
Je pense qu'il sera dans notre décor quand on habitera et tout dans la nouvelle baraque. Je pense ce screen-là, si tu veux, je me l'imprime, tu vois. On fait faire un display. Ah ouais, franchement, je m'en fais faire un display. Il est incroyable. Il est incroyable. Je croyais que c'était plutôt lié à... lié à Sum 41. Alors, c'est tout, c'est bon. C'est quoi ? Non, c'est plus Agatha, Sum 41 et tout le bordel, quoi. Mais il est incroyable, ce screen. Merci infiniment, Néméron. C'est ça qui a causé votre perte. Néméron, on peut en dire à l'amiable si tu veux. Ce que je te propose, c'est que tu fermes bien ta gueule et que t'assumes tes conneries et qu'on aille régler ça en justice et que tu payes tous les frais de justice plus dommages plus intérêts. Et si tu refuses, on t'attaque en justice. Deal ou pas? C'est... Ah, t'es le goat! Elle est incroyable, celle-là. Elle est incroyable. Continuons, c'est la gauche Twitter, c'est les plus gros hypocrites de tout Internet. Des bisous! Sans déconner. Par contre, en tant que San Gauchy, j'aimerais rappeler que c'est des Français, des petits bourgeois qui s'en prennent à un raton afghan issu d'immigration. Ces mêmes personnes prétendent être progressistes en ligne, révolutionnaires du dimanche, le petit faux allié et son petit cocoro, quel fragile ce tocard. Il est de gauche quand ça l'arrange, il soutient les victimes que quand ça l'arrange aussi. En vrai, c'est un intermittent de l'agression slash harcèlement, ce type. Quand il faut dire que c'est pas bien pour l'image, il est là. Et quand il faut faire des coups de pute, il est là aussi. En fait, il fait ses 507 heures, ce bâtard. C'est incroyable. C'est... ma nouvelle passion, en tout cas, ces derniers temps, c'était d'acheter des clés USB à la chaîne pour que je puisse bicraver des douces pièces à conviction auprès de la marée chaussée. Je vous présente N02. Je leur donne des petits noms et tout. Vous savez comment ça s'appelle, les grandes surfaces, elles nous vendent des clés USB à un prix totalement hallucinant. Vous savez combien ça m'a coûté, ça? 32 gigas en USB 2? Ça m'a coûté, je crois, entre 20 et 30 balles ou une connerie du genre. Vous savez combien ça coûte, 32 gigas en USB 3 sur Amazon? Ça coûte 9 euros. C'est salope. C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Blague à part, du coup, pour ceux qui n'ont pas reçu et toutes ces conneries, on a commencé à... De quoi? J'ai une info. C'est quoi? Il y a Foualier qui a reposté la liste. Wouah! Wouah! Ah putain! Je te mets le lien. Ah mais en fait, s'il fallait pas lui demander, si tu veux, ce serait tellement plus bon. Bah non, tu me fais un screen parce que il m'a bloqué. Bah moi aussi, mais il y a l'aperçu, c'est déjà ça. Regardez-moi la liste, c'est du délire. Mais attends, mais il l'a repris? Dis-moi qu'il est. Oh la pute. Il a pas partagé le poste. Il a enregistré l'image et il l'a reposté à son nom. Enfin, avec son compte, c'est incroyable. C'est fabuleux. C'est en fait, même quand il n'y a pas trop à optimiser, il arrive à optimiser. Il m'éclate, ce type. Donc du coup, merci pour le partage. Ça aurait été bien d'avoir un minimum de contexte, mais c'est bien. Du coup. À la demande de Surdoc. Ah bah écoute, hein. À chaque fois qu'on parle de lui, il agit. Ouais. Ah non, mais... Ah putain, mais... Ah, mais quelle sous-merde, ce type. Ah putain, j'espère que tu tomberas. J'espère que c'est quoi que c'est psychodélique qui te fera tomber. Du coup... Bah oui, il n'y a pas de petit profit hein, dans son monde. Hein. En tout cas, s'il y en a un dont la provoque a très mal vieilli, c'est Clément. Clément qui nous disait... Regarde, t'as eu un fichier de 20 mégas. Ils sont où, les 7 gigas? Ça te va, ça, bâtard? Ça te va, ça, bâtard, ou pas? Ça te va, ça? 22 putains de gigas. La compte ta race. Ah là là. Il y a mal vieilli, ton truc, Clément. Il y a mal vieilli. Hein. Je vous présente Agatha, un complice de Dox de 300 personnes également. Sa particularité, elle rêve de mon suicide, genre premier degré. Elle en rêve quand elle dort, si tu veux. Regardez la complaisance de cette criminelle. La meuf Marcel depuis 2 ans, mais tout va bien. Et de la même gauche twitterienne de mes couilles, là, qui se la joue bien pensante et toutes ces conneries, tu veux. Du coup, depuis que je suis Chazel de loin et tout, non, ça on l'a vu, c'est bon, on a tout rattrapé. Donc du coup, nous, entre-temps, on a reçu une partie, du coup, des dossiers et tout. On est en train de tanner la gueule à Inébloui pour qu'il nous envoie la suite, tu vois. Et donc, en ce moment-là, on est en train de vous redistribuer les dossiers. Je rappelle qu'on est 4. Et que, du coup, ça prend du temps. Il y en a qui ont reçu, il y en a à qui on n'a pas encore envoyé, et il y en a auxquels on n'a pas encore reçu les dossiers. Donc, du coup, normalement, si on se démerde bien, à la fin du week-end, tout le monde devrait avoir les putains de dossiers, si tu veux. Parce que je suis pas une espèce de fragile à la foilée et que je vais pas aller me foutre au vert alors que j'en aurais besoin, tu vois. Mais c'est normal si la majeure partie d'entre vous n'a pas reçu ces trucs pour l'instant. Parce que je rappelle, on est 4. C'est la bande qui nous harcèle, si elle s'était mise à vous distribuer vos données, si tu veux, tu sais, ça aurait été plus vite.
Et nous, on est quatre, si tu veux, tu sais, il y en a la moitié qui bosse, donc du coup, c'est un peu tendu, quoi. C'est, oui, voilà, il y en a qui le reçoivent ce soir et tout. Je sais que par exemple, là, ils continuent à vous le redistribuer malgré le live et tout, donc du coup, enfin, ça va arriver et tout, mais ça prend le temps, quoi. Ça prend le temps, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attendant, vous pouvez d'ores et déjà voir YouTube, si tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gober l'algorithme, nous joindre sur Kick ou sur Trovo ou sur YouTube ou sur Spotify, ou, je sais pas. Maj, t'as quelque chose à rajouter sur tout ça? Pas spécialement, je crois que t'as fait le tour. Super. Alors, attends, tac. Je vois même pas de soundboard qui pourrait résumer le truc. Si t'en as une en tête. T'as pas celui où j'appelle mère? Oui, je dois l'avoir. Oui, je l'ai, mais pas sur le stream deck. Alors, il est où Chaisel? Il est là. Pulco, tu mens. Mère, je les ai prévenus, les fils de pute. Mère, je les ai enculés jusqu'à la moelle. Oh là 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 là. Comment on coupe cette merde? Et merci bien.